Tu ne pourras pas traiter une chose sans l'admettre. Tant que tu n'admettras pas que tu es jaloux, tu es envieux, tu ne traiteras pas ça. Tu dois te regarder en face et dire, je suis jaloux. Moi, j'ai l'habitude de m'appeler à la troisième personne. Je n'ai ni nami gangé là. Nadège. Au lobag, il faut. Tu as mal parlé là. Nadège, tu as été jalouse. Nadège, tu as été méchante. C'est comme ça que tu arriveras à te dire, je ne veux pas tomber, plus tomber dans ça. Tu y travailles. Tant que tu n'admets pas, tu ne guériras pas parce que tu ne sauras pas que tu dois le traiter. C'est sérieux. Dieu ne regarde pas tout ce que nous faisons. Dieu ne regarde pas la para. Dieu regarde les cœurs. Les cœurs, le cœur. Nous devons nous préoccuper du cœur. Prenons garde. Tous les jours, battez la motema. Tous les jours, t'as là. Motema n'a pas un niveau nine. Est-ce que n'a commis un cholestérol? Est-ce que l'eau qui s'est coti awa? Est-ce que jalousie est fandité? Est-ce qu'orgueil est fandité? Méchanceté est fandité? Veillez sur nos cœurs. Cela est très important pour un enfant de Dieu. Ce n'est pas toujours de parler en langue. Ce n'est pas venir prêcher. Ce n'est pas faire des prières. Oh là, ça va tout. Tu iras en enfer avec Rabababa. Parce qu'apparemment, les gens à l'église commencent à faire monter des choses qui ne sont pas... C'est des choses qui ne font même pas... Soit, tu ne sais même pas si ça va te faire entrer au ciel. Ce sont des choses que les gens élèvent maintenant. Ils mettent ça à une place. Et ça a une importance. C'est ton cœur que Dieu regarde. Des gens qui font du mal, qui conspirent contre les autres personnes, qui détruisent la vie des gens. Poyekaka s'est retrouvé. Peu importe que la personne qui détruise des générations, lui veut atteindre son but, peu importe les moyens. Dieu vous voit. S'il vous plaît, regardez votre voisin. Dites-lui, Dieu te voit. Trois, l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est se comporter différemment de ce que l'on est. Je suis Nadège, je me comporte comme Albertine.